Et nous nous retrouvons, alors plusieurs jours après, hein, bon désolé, la coupure a eu, enfin, il y a eu une coupure évidemment, hein, j'ai saturé mon disque dur, donc comme d'habitude, hein, à la fin de chaque session, là j'ai relativement peu de temps pour tourner, mais bon, enfin, quand je dis relativement peu, là, la prochaine session de tournage durera environ 3 heures, donc je pense pouvoir t'amener le jeu en 3 heures. Si c'est pas le cas, bon bah ça fait rien, je ferai une troisième session de tournage où on finira ce premier volet du jeu. Donc voilà. Alors je vais. Donc j'espère qu'on va pouvoir avoir l'intro de jeudi. C'est ça, jeudi. Comment dire? Alors je sais que le son du jeu était beaucoup trop fort. Je l'ai énormément réduit, je pense peut-être l'avoir trop réduit. On va bien voir. J'ai également réaugmenté un petit peu le son de mon micro, légèrement. On va voir si le son est un peu plus correct. Alors, j'espère qu'on aura l'intro de cette journée. Et donc oui, mon micro ne se coupe pas lors des temps de chargement. Donc je m'attendais à ça. Ouais, ce premier chargement est un petit peu long, je suis désolé, on va commencer par ça. Donc, combien de jours? Peut-être une semaine s'est écoulée depuis ma dernière session de tournage. Donc voilà, mais j'ai très envie de rejouer. Puis d'accord, ok. Donc non, je n'ai pas. Donc je n'ai pas l'intro de truc. C'est pas grave, on va regarder nos objectifs pour aujourd'hui. Alors, il faut qu'on attrape du napalm. Pourquoi faire, j'en sais rien. Il faut qu'on aille chercher les coucougnettes. Crunchy, voilà. Les steaks. Et il n'y a pas étiquette. Pas étiquette, ça doit être. C'est la police, ça doit être un. Comment ça s'appelle? Oh, un procès verbal, un PV. Voilà. Oh, génial, on a un sniffer. Donc, c'est vrai que normalement, à chaque début de journée, là-dedans, on a un bonus. Et c'est vrai que pour mercredi et jeudi, je sais pas. Enfin, pour mardi et mercredi, j'ai pas dû les prendre. Et c'est vrai, on peut marcher comme ça. Je n'ai pas de. Alors, qu'est-ce que j'ai en arme? J'ai ça qui est armé, j'ai un fusil à pompe pratiquement plein, j'ai pas de fusil d'assaut. Ça me pose problème. Mais j'ai ça. Alors, j'ai ça. Je veux juste récupérer le gilet pare-balles qu'il y a normalement par là. Ah oui, c'est un gilet pare-balles militaire en plus, il protège de 200. Allez, hop. Et on va prendre. Oh, on va se la jouer, comme je l'avais dit, Triple H. Oh. Eh! Rendez-moi mon marteau! Je l'ai bousillé? J'ai cassé le marteau? Non. Oh merde! Oh le marteau! Oh non! Je vais me la jouer Triple H moi! Bon bah ça fait rien. Oh tristitude! Allez! Est-ce qu'on commence cette journée quand même par un petit peu de meurtre? Allez! Alors on va commencer cette. Merde. Pas vu qu'il y avait des militaires. Bon,
J'espère qu'il va pas m'emmerder. Donc, on va tout de suite aller donc à la gendarmerie. Je sais pas pourquoi j'ai fait un smash avec le marteau et il a pas voulu. Et comment? Et le marteau, je l'ai pas récupéré en fait. Allez, petit temps de chargement. Bon, là-dedans, il y a un panneau de chien. J'ai pas envie de me faire emmerder par les chiens. Je regarde juste, c'est quoi qu'il y a là-bas? Il y a un Medipack là-bas. Ouais, mais il y a le chien. Allez. Bon, de toute façon, on sait si jamais on a besoin, il y a un Medipack là-bas. Alors, la police station, c'est pas par là, c'est par là. Il y a les militaires. Oh putain, je me fais tirer dessus. Oh merde, je vais chercher. J'essaie de me planquer. Quel bordel. Bon, j'ai compris. C'est lequel le tout? C'est celui-là? Ok, ça a l'air d'être celui-là. Bon. Ouais, c'est celui-là. Donc faut pas que je réagisse quand je me fais tirer dessus. Mais bon. Pas forcément évident. Allez. Dommage, je voulais lire le panneau d'information, mais bon, ça fait rien. J'ai pas bien compris. Hi there. Hi there. Hello. I'm here to pay for this trumped up addition to some highway patrolman's retirement fund. That'll be $300. You're gonna be fucking kidding. I'm sorry. And let that be a lesson to you, Mr. Learn how to drive. Okay. And another one bites the D'accord, je devais donner un peu d'argent. Apparemment. Hi there. Can anyone help me? I'm going to have to cuff you. You have the right to remain silent.
anything. It's time there. Candy and Stigitchi. How can I help? That was bad of me, wasn't it? You're under arrest. Now just hold still. There. You have the right to remain silent. Can anyone hell, help? I needed a vacation anyway. I'm so wrong. Ok. Alors ça, je l'avais jamais fait. Ah oui, si, ça y est, ça me revient. Donc, simplement, si je dis pas de bêtises, ils m'ont juste laissé un truc. Voilà. Non. Parce que je voulais... D'ailleurs, comment je change de... Ouais. Donc 5, ok. Ouais, c'est ça. Ok, j'ai dit à sniffer. Donc là, faut que je récupère tout mon stuff. Hein. Sachant qu'il y a... Ah, c'est pas vrai. Oh, violent comme mort en plus. Bon. Comment je m'échappe de là? Okay.
Bon, là, je vais pouvoir. L'idéal, ce serait que je trouve un uniforme. Je peux sortir, hein, je peux me barrer, mais... Mais je sais que je peux trouver un uniforme quelque part. False room. Apparemment, j'ai nettoyé le commissariat. Je sais pas ce que c'est que ce bruit. Normalement, il y a un vestiaire quelque part et je peux... Ou alors, je peux déshabiller un mec pour prendre ses vêtements, j'en sais rien. Non, je pense pas. Je sais qu'il faut au bout d'un moment que je prenne un vêtement de flic. D'ailleurs, ce passage était... D'ailleurs, ce passage a été repris dans le film. Hein. Le film... Postal, il y a un moment où le héros... Alors, attendez, comment on... Non, c'est pas ça. Bon. Comment on fait déjà Ouais, c'est ça. Bon, y a ça qui serait utile, mais avant... Je vais garder ça. Il y a de la bouffe là. Ok, là il n'y a rien. Ok, je vais refaire tous les trucs. Donc ici, la sniffer. Je devrais l'activer le sniffer.
J'active un petit peu. Ok. A priori, c'est nettoyé. Hein. Je pourrais très bien attendre un petit peu que mon indice diminue et puis. Il y a du monde là. Ok. Ah, that's the stuff. I definitely need more of that. Oh putain, j'ai des médicaments ici, je l'ai pas vu. Really works. Bon. Essayer par là. Par là, il n'y a rien. Là, j'ai visiblement deux ennemis. Allez, je suis à fond en vie. Il y a un sniffer ici. C'est bizarre, je vois deux personnes sur mon radar, mais... Et je sais pas où du tout. Donc on va faire ça, on va faire tout le. J'ai eu énormément de chance qu'il ne m'ait pas vu. Bon, une civile. Ok, j'ai pas vu, mais j'ai récupéré un gilet pare-balles ici. Bon. Je vais temporairement arrêter mon sniffer. Je le réactiverai. Ouh. Merci pour la monnaie. Merci pour les burgers. Ah! Comment je lâche déjà? Toujours pas trouvé le costume de flic et puis ah ok. What the suspect sighted. Ah.
Le v'là. This is gonna be sweet. Yeah! I am the law. I am the law. Yeah, bitch! That's the stuff. Ok, et donc là, je peux plus forcément être cherché. Hein. Tiens, je suis né quand même, c'est pour le gilet pare-balles à 200 que je me suis fait descendre direct, quoi, en fait. Ah, je me suis fait emprisonner direct, donc... Mais à chaque fois les missions, vous voyez, il y a plusieurs manières d'y arriver. Hein. Là, je suis sûr que le... Yeah! Ouh! Je veux... C'est ça la référence, hein, en tout cas, que vous avez entendu à l'instant. Ok. Donc là, j'ai récupéré toute l'armurerie. Hein. On va regarder un petit peu. Alors. Ok. Donc les flingues. Pas mal ça. Oh, je peux faire un clic droit pour faire du semi-automatique. C'est bon ça. Parce que ça, clic droit, ça fait rien. Ok, c'est quoi ça? Oh, fleur, du déo. Avec un petit coup de zippo. Bon, ça, on connaît. 7, y a rien. 8, fusil sniper. 9. 9. Oh, il y en a 100 en plus. Ah putain, un lance-patate. On a un lance-croquette et un lance-patate. Comme ça, tout va bien. lance-croquette, non pas si. Hein? Guns don't kill people, I do. Non. Pourquoi? C'était limité? Non, tout de ma gueule. Bon, faut que je me tire. Faut que je me tire. Je prends le meilleur truc qu'il puisse y avoir. À savoir ça. Je suis pas recherché, donc je vais mettre... Je suis coincé? Non! C'est quoi ce bug? Je suis coincé. Bon. Non, c'est pas vrai. Je dois recommencer. Écoutez, je fais une coupure. Je fais une coupure, hein. On est d'accord, on est tous d'accord pour dire je fais une coupure. Ouais, allez, à tout de suite. Ok, donc j'ai compris. En fait, j'ai appuyé sur entrée et ce sont mes vêtements qui sont sélectionnés. Donc là, il faut surtout pas que j'appuie sur entrée ou je me retrouve bloqué dans le truc sans pouvoir... D'ailleurs, je vais changer tout de suite, voilà, d'item. Sélectionner, comme ça... Je ne peux pas prendre... Ouh, ça c'est cool. Allez, hop. Bon voilà, et là je ressors tout de suite. Donc là j'ai tout ce qu'il faut et normalement je ne me ferai plus emmerder par les flics. Du moins pendant un petit moment. Mais en fait il faut pas que je remette les... Bon, je comptais pendant que je refaisais cette mission, c'était en fait, vous savez, il y avait un tas d'items ici, enfin un tas de... C'était m'arrêter là et me barrer, mais finalement je me suis dit, non, quitte à faire, autant prendre un max de trucs. Allez, on se tient. Voilà, franchement, ça m'a... J'ai mis 2 minutes à... Comment à reprendre le tout, quoi.
Et eux, résultat, m'emmerdent pas. Je pense que je vais garder mon habit de flic pour le reste de la mission, tant que c'est possible. Prochaine mission, je pense qu'on va aller chercher Crotchy. Quoique non, c'est peut-être mieux d'aller chercher d'abord le napalm. Ouais, mais Crotchy, je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Il y a les steaks aussi, mais les steaks, on va se faire des ennemis, je le sais. Non, on va chercher Crotchy. Donc, je suis sur la bonne voie. Ouais, je suis sur la bonne voie. Ok, on va aller chercher Crotchy. Les coconiettes! Oh mon dieu, ce film. J'ai des scènes qui me reviennent, mais c'est génial, quoi. Certainement un des films les plus marrants que j'ai pu voir. Bon, c'est de l'humour assez particulier, hein, mais c'est pas mal. La bibliothèque continue à cramer, hein, ça fait 3 jours, mais ça fait rien. Ça fait rien, ça fait rien. Ce jeu est absurde, hein, et il l'assume, hein, c'est tout, quoi. Faut forcément chercher plus loin parfois. Bon, un truc que j'aurais aimé quand même, c'est une mini-map intégrée peut-être en haut à gauche du jeu ou en bas à droite. Qu'on n'ait pas tout le temps à appuyer sur M. Enfin voilà, après il faut pas trop demander quoi. Attendez, est-ce qu'il y a un autre passage? Visiblement non. Welcome in paradise. Donc on doit passer par Running with Scissors. Qu'est-ce que c'est en vert là? Ce sont des végétariens visiblement. Je me souviens pas qu'on se les mette à dos arrivé un moment donc. Question, si je passe par là, il y a quoi par là? Wow, même pas un petit easter egg, oh, les mecs. Minou. Non, je parlais pas de vous, madame, mais... N'importe quoi. Je rappelle que cette série est interdite au moins de 16 ans. Mais bon. Attendez, et comment ça se fait qu'il y a une nana anti... Ouais, de toute façon, je m'en fous, je suis en habit de flic. Pardon? La loi, c'est moi! C'est quoi ça? La loi, c'est moi! Putain, si vous avez jamais vu ce film, c'est Judge Dredd. Franchement, meilleur film. Enfin, un des meilleurs films d'action que j'ai pu voir. C'est génial aussi. Là, je vais vous parler de bons films, hein, je pense, entre deux. Ça... Ah ouais, ça attire les chats. C'est par là la mairie. C'est par là. Juste avant, madame. Bonjour.
peut-être ranger mon arme quand même. Tant que je suis en... Tant que je suis là, j'en profite. J'ai pas souvenir que les pipes s'étaient repris. Oh! Oh oui! Ah, j'ignorais qu'elle était dans la première partie du jeu, cette... Ah la faux, oh mon dieu la faux, mais oui, cette arme est super craquée. C'est l'arme au corps à corps la plus craquée du jeu, mais moi. J'explore, hein, je devrais. Cet épisode fera peut-être comme mercredi, un peu plus d'une heure, mais je pense que ça devrait le faire. C'est quoi ça? Active, si fiche ou police. Hein? J'ai pas bien compris. Apparemment, ça concerne la police. Il y a une arme là-bas. Je me souviens pas avoir fait ça avant. Et j'en profite de pouvoir y aller, quoi. Donc. Je les veux! Je les veux! C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. C'est à moi. C'est à moi, mon précieux. Mon précieux. Oui. Gollum Quentin. Excusez-moi. Gollum a son précieux. Oh non, 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 je les veux, je les veux, je les veux. Je vous en supplie, donnez-moi ça. Ce sont des bonbonnes de Napalm. Mais si je les chope ici, j'ai pas besoin d'aller ailleurs. Enfin, j'ai pas besoin d'aller les récupérer à la factory. Non? Si? Peut-être? Ce jeu ne fait aucun sens. Parce que ça, c'est du Napalm, ça. Ah non, c'est des rocket launchers. Ah d'accord, je pensais que c'était du napalm. Une hache ici. Y'a rien là-haut. Je retourne juste là-haut, voir s'il y a quelque chose de l'autre côté qui m'aurait échappé. Visiblement non. Allez, on redescend. Ici, il y a de la vie. Merci beaucoup. Sur le train, y'a rien. Il semble y avoir quelque chose, mais je sais pas quoi. Oh génial, un mec de Running Goose is off. Bon, par là on y a été. Par là on l'a fait. Parmi tous ces petits recoins, il y a peut-être quelque chose de planqué. Non?
Non, c'est juste des traits noirs. Allez, on va... Hop, on va ressortir. C'est par où la sortie? Ça doit être par là, si. Ma mémoire ne me fait point défaut. S'il te plaît, range ton flingue. Range ton flingue, collègue. Pas du tout. Bon. Donc, pareil à la factory, mais... Avant... Là, ici, il y a le mail. C'est ça, hein. Paradise Mile, ouais, c'est ça. Ok. Juste un instant. Ouais, excusez-moi, petite visite. Imprévu, mais voilà. Alors, MP5, tout va bien. Et du jus d'orange, du jus d'orange. Ouais, mais on peut pas prendre du jus d'orange. Oh, c'est quoi ce jeu? On peut pas prendre du jus d'orange. Je veux du jus d'orange. Allez, on va chercher Crotchy. Crotchy. Sold out and shit. Fuck you. Why don't you buy Larry the Crab? We got lots of those. Larry the Crab. Crotchy. Bad touch. Touche-moi ici. Dieu, ce jeu. C'en est affligeant, quoi. Please love me. Ok, je suis sûr que les gougougnettes sont au bout de ça. Ça faudrait quand même que je m'en serve. Que je vous montre. Ouais, coucougnette. Ouais, mais face aux flics, ça va pas être efficace.
toi, t'es pas mort. De ma gueule. Hey, je leur bourre la tronche, ils sont... Je veux pas savoir ce qui s'est passé pour que... Je prends. Ça je prends aussi. Quoi? On va devoir buter Crotchet? Ok, je me tiens. On a ce qu'il faut. Je vais juste attendre, c'est que mon indice de recherche diminue. Et je vais peut-être voir pour me heal. L'impression que mon indice de recherche ne diminue pas. Bon. Si, il diminue. Bon, est-ce que je peux... Non, je peux pas me passer par là. Juste attends, je vais juste être prudent le temps que mon indice de recherche retombe à zéro. C'est bon. Voyons ici. Munition, munition, munition. juste je regarde. Alors, attendez. Promis. Yeah, I heard the military might get involved.
Voilà, hein, l'arme la plus craquée du jeu, mais aussi la plus sanglante.